Eh bien salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre troisième live sur Spyro 1 sous ce dragon. Salut Tonio, ça va très très bien, et toi comment tu vas? On se retrouve donc pour Spyro 1, le troisième live, un live qui durera 3 heures. Pardon, désolé. Un live qui durera 3 heures, il y aura une petite pause au bout d'une heure 30 comme d'habitude, vous le savez, vous avez l'habitude, c'est comme ça à chaque live, c'est comme ça sur chaque jeu, c'est comme ça sur chaque jour de la semaine, à part le samedi dimanche bien sûr. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, et puis on va démarrer tranquillement. Tonio, si tu es toujours parmi nous, enfin parmi moi du moins, parce que voilà. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien, si le son du jeu c'est bon, si tout est ok, s'il te plaît? Après m'avoir répondu à mon salut, comment tu vas? Ils nous ont remis là d'ailleurs, c'est assez bizarre. Pour plus de fun sûrement comme la dernière fois. Est-ce que la qualité de son jeu c'est bon? Le son de ma voix aussi, pour l'occasion tu vois. Oui parfait. Bonsoir tout le monde, salut Captain, comment ça va? Comment ça va? Ben ça va très très bien, et toi comment tu vas? Bonjour capitaine, ça va, merci et toi? Capitaine. Bah écoutez, je pense que... Enfin, j'ai déjà dans les vues qui sont faites. Ok, merci capitaine. Au moins les modos sont là, donc on va démarrer tranquillement. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fini le monde des Pacifiques. Voilà, tout simplement. On avait tout fait, quoi, il me semble. On avait beaucoup rigolé, on a... On avait fini tout ça, j'ai dit pub. On se retrouve donc pour Spyro. On avait fini le monde des pacifistes, je crois, ou des pacifiques, je sais plus. Logiquement, on n'a plus de niveau sur ce monde-là, on devrait changer normalement de monde. Salut Gourdas! Comment ça va en ce début de semaine? Tranquille? Bien? Ça va? Prêt pour un live de 3 heures? Ouais. Ah, avec notre cher ami Gourdas. Donc on va faire un petit tour vite fait, mais il me semble. Bon duel, quand tu veux, tu m'as is.
Donc on va faire un petit tour rapide. Voilà, Spark, merci. Oui. Ah d'ailleurs, c'est le retour de Gourdas, exactement, elle est jamais partie. Chaque début de semaine, vous pouvez retrouver Gourdas, toujours là, toujours fidèle à son poste. Sans problème, sans pression. Que je dis pas de conneries, normalement, canyon aride, village perché, caverne de glace, vol de nuit, docteur Shemp. Ah oui, c'est vrai, ce boss. logiquement, on a tout fait. On va faire un petit tour vite fait, mais il me semble qu'en un moment, on a tout fait. Gourdas plein d'eau? Pourquoi plein d'eau? Ah, parce que gourde, d'accord, ok. Mais pourquoi pas, écoutez, hein, moi j'ai envie de vous dire... YOLO! Non mais fuyez pas comme ça, vous allez tous crever de toute façon. Salut la moto, gourde, à plein d'eau. À bord! On avait perdu pas mal de vie aussi, je me rappelle de ça. Merci Gourdas. Logiquement on a tout fait, alors là il y a le boss. Là-bas il y a Canyon Yarid, ici il y a le village perché. Normalement si je dis pas de conneries, mais là... Il devrait y avoir... Caverne de glace, ok. Le vol de nuit il est là-bas. Donc il me semble que c'est bon, donc on va se tailler. Cours à plein d'eau. Village perché, donc il a de la bonne cam, exactement. On peut dire ça comme ça. Logiquement, on peut se barrer. Je ne peux pas croire que tu aies retrouvé si vite autant de trésors. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Voilà, les ouvriers magiques. C'est parti. Pour plus de fun, plus de trolls, plus de murs sur la tête de Spyro. Normalement, c'est censé se corser un peu plus. Donc on serait pas à l'abri d'un game over. C'est la justice de la Gourdas. Oui. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end quand même, tu vois. Alors, parce qu'on est lundi, tu vois. Alors, moi, j'ai passé tout mon week-end à faire des montages jusqu'à cet après-midi. Pourtant, tu ne bois pas de café. Cua, Tonio. Vous l'avez entendu. Montage avantage de 7-0. Ah non, tu parles de l'Opel. Autant pour moi, MDR. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end quand même. Que vous êtes reposé, si vous avez, si vous êtes reposé ou je ne sais pas de ce que vous avez fait, si vous avez joué au jeu, tout ça et tout, dites-moi. On est là pour discuter, on est ensemble pour 3 heures. Ouais, par contre, ah. On commence fort. Mais j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau, moi. Mais tu veux des piles, bordel. C'est pas drôle, bruh. J'ai joué à God of War 3. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Captain? Oh, toi, je sens que ça va être compliqué de venir te chercher. Il était puissant, ce bruh. Ah, c'est gagné. Bah, tout calme, 30 secondes. Hein, je me laisse faire. À bord! À bord! Tiens, tu le manges celui-là? Tu es seulement relou, toi. Je vais venir chercher après. Donc, c'est la reprise. Donc, ce sera sûrement le bordel, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, je pense. Ah, le cosmos a été sauvé. Bienvenue chez les ouvriers magiques. Il faut que tu libères les dragons, retrouves nos trésors et reprennes les œufs à ces satanés voleurs bleus.
Gourdas, nouvelle gourdas. Vas-y. Cimer. Vous là. Je sais pas pourquoi, mais je vous sens tellement pas en fait. Quoi? T'as voulu faire quoi toi? Tiens, mange. Et vous? Oula! Ça, je peux pas l'ouvrir? Ah non, bah attendez. Attendez, faut que ça me revienne, tu vois, parce que j'ai pas joué pendant une semaine. Même dans mon coin, tu vois, j'ai pas continué. Nya 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 nya. Ah bah, tu es capable de sauter toi? Hey, comment je fais ça moi? Hey, mais je monte pas moi là. What? MDR. Bon, attends, on te laisse là et on verra prochainement. Parce que c'est la tâche qui nous incombe et qui nous décombe. Merci, Gourdas. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de fun dans ce jeu, c'est affolant. Faut que tu le prennes dans l'autre sens. S'il y a un autre sens. Agent du feu avant tout, ouais, voilà, c'est ça, agent du feu avant tout. Mais il n'y a pas vraiment d'autre sens, tu vois, parce que cet enfoiré, il bombarde. Et je cours pas assez vite. Ah ouais. Il n'y a pas vraiment de sens, en fait. Regarde, mais c'est pareil de ce côté-là. Je crois pas que je puisse monter. Ouais, non. Bon, on verra. On verra. Merci, Gourdas. Ah, il va apprendre, c'est ça. Waouh. Mais tu sais que c'est pas bête de se foutre de la gueule des gens, tu vois, genre se moquer c'est mal. Rawr. Il se fout de ta gueule en plus, ça me l'air assez clair. Oula. Ah bah voilà, tu t'es fait jeter de. Ah non! Victimisé MDR. Ah, tu vas mourir! Ok. Donc ici on a un niveau, c'est quoi? C'est chaîne alpine, ok. Bande de victimes, t'entends. Fonce dedans, non? Bah y en a, il faut leur foncer dedans, y en a, non. Salut! Ah bon, tu es là aussi? Il veut plus rien lui. Donc là-bas on a un niveau, ok. Il est partout. C'est ça, c'est je sais où tu vas, coucou. Je sais où tu es. Ben, c'est un tour sur circuit, mesdames et messieurs. Voilà. Il se duplique.
patrimoine sur 20. Ah non, mais dites pas qu'il y a ce truc aussi. Ah non, je vais tellement pas aimer. C'est réplicateur. Ah, je vais tellement pas aimer en fait. Non, les réplicateurs. Lorsque tu vois des flèches comme celle-ci, tu peux charger sur elle, ouais, pour déclencher une supercharge. Une supercharge ? Excellent. Vas-y, essaie. Ouais, voilà. Les grottes élevées. Ouais, parce que des grottes, c'est élevé maintenant. Ok, d'accord. Ok, j'ai rien dit. Ça va, ça va, ça va. Ah, j'aime tellement pas ce truc. Bon, les YOLO. C'est là que le fun commence. Vol de cristal. Oh mon dieu. Maître YOLO. Ce portail mène à un endroit spécial où tu peux apprendre à voler. Non merci, oh, ça ira. Quand j'étais un jeune dragon qui testait ses ailes. Apprendre à voler, ok. Ouais, non mais sans façon, genre, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mais quel est donc ce monde? Pic des magiciens, ok. On ne va pas dans l'eau. Parce que l'eau, ça mouille. Dans ce jeu, c'est plus maître Yofume. Yofume quoi? Ah, il y a un truc là. Ah, tu me la fais pas à l'envers à moi. Tu me la fais pas à l'envers à moi. Ferais pas un petit smoothie. Oh, ben voilà. J'ai trouvé la clé. Et du coup ça. Faut que je joue des feux d'artifice aussi. Non, c'est Yotunheim. Ah bon, Yotunheim. Rien que ça, mesdames et messieurs, rien que ça. Merci beaucoup, monsieur. Ah, je t'ai raté. Eh oh. Tout calme toi. Ah bon, Tonio, tu n'es pas prêt. Je n'ai pas prêt. Fanfaron, j'imagine que c'est le boss. Et qui va être bien roulant. C'est pour aller où ça? Tu as retrouvé tant de nos œufs de dragon. Ouais, monte et en route pour le monde des créateurs d'animaux. Ok, le monde des créateurs d'animaux. Voudrais-tu y aller? Restez ici, j'ai rien fait encore ici, tout calme. Donc le boss est un fanfaron, c'est ça. Si j'ai bien compris le truc. De la tâche qui nous incombe, qui nous décombe. Désolé, j'ai haussé le temps parce que j'ai failli tomber. C'est quoi là? Ça me dit rien. Ah non, c'est vol de cristal. C'est où que tu me dis qu'il y a des trucs toi? Là-bas? Ah oui, là. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas de feu d'artifice. Ou alors je bigle. Est-ce que c'est étonnant? Je ne sais pas, mais...
Le bouton. Ah bon. Voilà, mais si tu me montres toujours la même chose, tu vas. Attends, t'es sérieux? Il y a vraiment un truc de fou à faire comme ça là? Non mais vraiment là? C'est reparti pour le fun! Ah, ça m'avait tellement manqué. Ça sent la mort! Ah ben voilà! En plus, c'est pas la mort, tu vois, genre en mode... En mode violente et tout, tu vois, non, c'est la mort tranquille. Parce que la musique est douce, tu vois. Ça se pluche. Ça se pluche la mort. Ah bon! Ah, vous êtes tous revenus, sérieux? Merci monsieur. Les graphismes sont tellement beaux qu'on en oublie les ennemis MDR, c'est clair. C'est clair que de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ah, il y a lui là. Mais il y a aussi le truc que tu vois, genre les graphismes ils sont très très beaux, tu vois, il n'y a rien à dire. Mais c'est un jeu de puputerie. Et oui, il faut pas l'oublier parce que c'est beau tout ça et tout, c'est mignon et tout. Tout ce que tu veux, mais en vrai, c'est sadique que ça en peut plus après. Plus tu avances, plus c'est sadique. Ah, il y a des trucs là? Ah ouais. Ah ok. Forcément. Foiré. Ah non mais vraiment là? Vraiment tu le fais là? Faut automatiquement que j'aille là-bas? Tout calme. Rigolo, va. Ah, vous êtes tous là? Et lui, je sais pas comment, là. Hein. On verra ça après.
Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a 300 gemmes, il nous manque un œuf, donc l'œuf c'est lui qui l'a, les dragons ils sont tous sauvés. Ok, donc on va pas s'emmerder la vie, on va démarrer direct le premier niveau. Et je crois que le premier niveau c'est... Attends, c'était où? Foiré. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Y'a pas de niveau ici. Là, il n'y a pas de niveau ici. Chii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 
Il n'y a rien de ce côté. Bon, ben tant pis. On va démarrer le premier niveau. YOLO!